Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans ma boîte aux lettres. Je suis passée chez Action, j'ai été pour les tampons, les fameux tampons qui me manquent. Donc là il me manque les appareils photo et les attrapes rêves. Et ils n'y étaient toujours pas, et il n'y avait toujours pas les sprays. Donc moi les sprays je les ai, les filles, merci beaucoup pour celles qui me demandent si je les veux. Moi je les ai, il n'y a pas de problème, c'était pour... en fait c'est pour les acheter pour vous, pour celles qui ne les ont pas trouvées. Donc voilà, et pas de spray, pas de tampons, et qu'est-ce qui manque encore? Il manque un truc dans mon Action aussi que je vois sur les hauls et que je trouve pas. Alors par contre j'ai trouvé les nouveaux washi tape là, je les trouve super beaux. Par contre il n'y en avait que un, donc ça fait un peu ça fout un peu les boules, mais bon. Donc avec les cactus, avec des cœurs, avec des nuages comme ça, je trouve qu'ils sont super jolis, des petits cœurs. Franchement ils sont terribles. J'ai pris des strass, donc il y en avait, mais il n'y avait que ces boîtes-là. Alors j'ai pris 3-4 boîtes comme ça, mais je vous avoue que c'est pas mes préférés, parce que moi j'aime bien, vous savez, les tout petits avec une sorte... ça fait un peu oriental en fait. Et bon, ceux-là je les ai pris pour vous les mettre dans les colis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à les trouver, et moi aussi, là ils en ont remis, mais que cette sorte-là. Voilà, j'ai repris plein de petits stickers parce que j'ai vu que voilà, il y en avait plein qui ne les avaient pas. Et les bordures, donc les cœurs et les étoiles, il n'y en avait plus, s'il y avait un encore à fleurs il me semble, ouais je l'ai pris celui à fleurs aussi, mais il n'en restait que un, donc voilà. Et j'ai repris ce papier là, donc il y était, j'étais super heureuse parce que franchement il est au top. J'ai déjà fait un flipbook avec et ça fait super beau, donc c'est l'effet galaxie, vous l'avez vu dans tous les hauls, mais moi franchement j'adore, il est terrible cet album là. Donc là il n'y en avait que un, j'ai pris que celui qui avait, et sinon les rayons ils étaient à moitié vides. Alors je sais pas, peut-être que peut-être qu'on parle trop de scrap et du coup ça donne des idées, mais ouais franchement c'est dommage qu'ils renouvellent pas plus vite, ou alors qu'ils fassent par correspondance quoi, ça ferait un carton Action par correspondante. Alors Stéphanie, donc de la chaîne Stéphanie et Lise, s'est amusé à m'envoyer un énorme colis, donc il prend pratiquement toute la table, je sais pas si vous voyez. Sauf que bien sûr je vais te le remplir ce même colis parce que j'ai pas d'autres cartons, tu t'imagines bien. Donc donc je vais le vider là avec vous, et je le remplirai, je te le renverrai, n'est-ce pas? Donc elle m'a envoyé plein de petites choses, dont le chocolat. Merci beaucoup Steph, je suis au régime, mais c'est pas grave. On fera une exception parce qu'ils ont l'air très très bons, je crois que c'est des gels de Bruges, donc ouais. Donc merci beaucoup. Elle m'a mis plein de scrap bidule. Enfin là on n'appelle plus ça des scrap bidule, c'est c'est plein de choses de chez Action. Et par contre je vous le sors tout de suite, je vous montre, regardez-moi ça. Alors celui-là, je sais pas où tu l'as trouvé, mais alors il est juste magnifique, sublimissime. J'ai pas de mots, il est trop beau. Donc je vais le mettre dans ma boîte à crayons. D'ailleurs je vous la montrerai la prochaine fois, promis, parce que à force d'en parler. Et je ferai un tuto aussi, donc j'ai vu que sur les commentaires ça vous plairait de voir un tuto. Donc voilà, dès que j'ai 5 minutes, la semaine prochaine, promis, je vous fais le tuto, parce qu'en plus c'est tout facile. Et puis en plus s'ils nous mettent des jolis washi tape comme ça, franchement il y a de quoi faire. Après donc les rubans là, elle m'a mis, donc ceux-là ils sont autocollants, pour ceux qui connaissent pas, ils sont vraiment bien pour faire des créations, ça se colle directement, il n'y a pas besoin de mettre de super glue, rien, et ça tient super bien. Les petites fleurs là, tant mieux parce que j'en avais plus. Les petits patchs là, ça par contre je n'en suis pas encore servi, je vous dis franchement, j'arrive pas trop voir où je peux les mettre. Dans des albums, tout ça, je trouve que le tissu, ça ressort pas trop. Celui-là, oui, ça j'adore, ça aussi. Mais après, c'est peut-être pas des couleurs avec lesquelles je travaille trop aussi. Alors bon, peut-être me lancer un défi à moi-même, ça serait pas mal. Les blinks que j'adore. Ceux-là, les stickers, là, ils sont trop beaux. Ceux-là, je les mets partout aussi. Alors ça, c'est un carnet... je vais vous le déballer, ça c'est chez Nose que tu as trouvé ça, et moi j'ai vu quand ils sont sortis chez Nose, mais dans le mien il n'y avait pas, il y avait Paris et tout, mais il n'y avait pas, voilà, donc franchement ils sont trop jolis, j'aime beaucoup. Elle m'a mis des petits masques, donc merci beaucoup. Donc ceux-là je les connais pas par contre, je pense que tu les as pris chez Action ou chez Nose, je sais pas, et je les connais pas, donc je te redirai. Des paillettes, donc merci. Alors moi je recharge, vous savez, les crayons diamantine avec, maintenant vous commencez à le savoir. Un carnet flamant rose, pareil, celui-là je l'ai jamais vu. Donc là ça fait longtemps que je vais pas chez Nose aussi. Je vous dis, la dernière fois j'étais vraiment écœurée de Nose, c'était trop sale, trop dégueu.
les tirs elles sont tellement pas aimables, ça donne vraiment pas envie d'y aller. Donc ben du coup je peux retourner. Faudra quand même que j'y pense. Là, des petites fleurs, donc ceux-là je les adore, je les mets beaucoup beaucoup sur mes créas. Et par contre ça j'enlève la perle parce que ça fait une... quand je mets dans la pochette d'ATC en fait ça rentre pas dedans. Donc voilà, plein de blinks, alors là je suis trop heureuse parce qu'elle m'a trouvé toutes les couleurs. Et celle-là je l'avais pas en fait, la couleur là je l'ai pas. Ceux-là je les avais, mais je les utilise tellement vite que voilà. Ceux-là pareil, ils sont trop beaux. Même les petits là, j'aime bien aussi travailler avec. Les petites fleurs jaunes, donc ceux-là j'en avais acheté un paquet pour moi, puis plein de paquets pour vous. Et du coup, ben, c'est vrai que c'est parti très très vite. Alors, elle m'a envoyé 500 euros, c'est gentil, avec son petit mot derrière bien sûr. Et là, elle m'a fait... Alors, je vais vous montrer ça. Une boîte. Hein. Alors, j'ai plus de nom. Hein. J'ai plus. Voilà, j'ai une boîte. Hein, comme ça. donc, moi, j'avais vu le tuto sur la chaîne Radio Scrap. Elle m'en avait envoyé un d'ailleurs qu'elle m'avait fait. C'était, il est trop trop beau. Et celui-là aussi, il est juste magnifique. Donc, je pense que c'est avec le kit papillon de chez Action que tu as fait ça. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez le plier pour les voyages, hein, pour le mettre pour le transport en fait. Il se plie. Et donc, ben, la personne, quand elle le reçoit, elle peut le déplier comme ça. C'est vraiment très très joli. Regardez, il y a des tutos dessus. Donc sur ma chaîne vous ne trouverez jamais le tuto de ça parce que je pense que vous trouverez juste une Christelle très très énervée en train de faire un tuto, ça serait pas possible. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, j'aurais vraiment aimé faire des choses comme ça, mais ça voilà, c'est pas dans mon quota de patience, c'est pas possible. Elle m'a mis des petits papillons comme ça, donc je pense que c'est toi qui as fait les découpes, ils sont beaux, je les ai jamais vus les découpes comme ça. Et plein de trombones, donc les petites trombones licornes. Alors ceux-là, je ne sais pas où tu les as trouvés, mais chapeau, parce que ben, ils sont juste magnifiques. J'en ai déjà reçu une ou deux, et là, tu m'en as mis plusieurs. Donc c'est super cool, merci beaucoup. Des petits élastiques, c'est pas fini, hein, mais bon, je me vengerai. Et les petits stick-notes, donc là, je suis allée cet après-midi chez Action, ils n'y étaient pas, ceux-là. Pourtant, j'ai regardé pour vous les mettre dans les colis. Et Dali, donc de la chaîne Dali SJ, elle m'en a envoyé aussi, mais plein de confettis. Hein, donc on voyait pas comment que ça se présentait sous le packaging, et en fait voilà, ça se présente comme ça. Moi en tout cas chez moi ils sont pas. Après voilà le paper craft, donc celui-là ben, je l'ai terminé, j'en ai plus, ça tombe bien. Des stick notes, donc ceux-là moi j'en ai acheté un paquet, alors vous entendez ronfler, hein, c'est pas moi bien sûr, c'est ma louloute, hein. Donc les stick notes là, ceux-là je les aime bien, les stick notes là. Les miroirs stickers pardon, je les adore ceux-là, ils sont vraiment trop trop bien. Ceux-là je les ai jamais vus, tiens. Alors ça c'est des aimants pour mettre sur le frigo, je m'en sers tout le temps, mais ceux-là c'est vrai que je les ai jamais vus. Alors du papier de soie licorne, je sais pas où c'est que t'as été me trouver ça, mais c'est juste terrible, il est juste sublime, franchement j'ai pas de mots, voilà, merci beaucoup. Le papier magnétique, j'ai regardé, j'en ai plus, dans Action j'ai trouvé une fois, j'ai trouvé deux planches, et enfin deux fois deux, donc quatre planches. Et voilà, il n'y en a plus à nouveau. Donc, c'est franchement, je sais pas s'ils font exprès de faire des ruptures comme ça, mais c'est infernal, quoi. Et un petit porte-clés cœur, il est trop, trop beau en pompon. Franchement, il est trop mignon. Et le papier que j'adore, donc merci beaucoup. Le Pink Baroque, ben ça, moi, dans mon Action, ça y est, il n'y en a plus. Et il est juste sublime, ce papier. C'est vraiment... c'est mon préféré de tous ceux qu'ils ont sortis. C'est vraiment mon préféré. Je crois que ouais, je crois qu'il n'y a pas un bloc 30-30 que j'ai plus aimé que celui-là. Voilà, donc on a fait le tour. Hein, c'était limite un mini haul Action. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et Nose, hein, parce qu'il y avait quand même quelques produits de Nose. Donc bah, merci beaucoup Steph. Je te voilà. Ta créa, je ne vais pas l'écraser quand même. Hein, je vais la sortir, je vais la mettre voilà, dans les. Bah, là, celle-là, je vais la mettre avec les autres créations. Bah, j'ai pas de mots. Merci beaucoup. Mais bah, voilà, attends-toi à le recevoir, hein, ce carton. Vu que tu me l'as envoyé si gentiment, je te le renvoyais aussi. Alors, après, on passe encore à un énorme colis d'Evelyne. Donc, Evelyne, ben, je te remercie beaucoup. Je t'ai eu en MP, donc elle va se taire. Hein. Donc, je t'ai eu en MP, c'est super gentil. Les petits mots que tu m'as envoyés, franchement, je te remercie 10 000 fois.
Et donc il faudra que tu me répondes si t'es ok ou pas ok, parce que tu m'as pas répondu. Voilà. Donc je vous montre ce qu'elle a fait. Enfin, c'est, j'ai pas de mots. Hein. Quand j'ai déballé son colis, franchement, enfin quand j'ai déballé vos colis, parce que là en ce moment vous me faites vraiment des trucs, mais alors de fou depuis les lots là du méga concours que j'avais mis. Ouais, j'ai jamais vu ça. Les créations que vous me faites, mais c'est voilà. Alors j'essaie de répondre à tout le monde. Hein, je le redis quand même à chaque vidéo parce que je me sens mieux quand je le dis. Ça me voilà. Mais c'est pas possible à tout le monde en même temps. Je vous dis, je fais 3 envois par jour. Je me bloque à ça parce que de toute façon, j'arrive pas à faire plus parce qu'il faut quand même que je fasse les constructions de flipbook, ou ceux qui ont déjà eu mon flipbook reçoivent des autres créations. Bon, je dis pas non plus tout parce que j'aimerais bien que vous ayez des surprises dans les boîtes aux lettres. Mais c'est très très dur d'envoyer tout, voilà, de faire les créations, les découpes, ça prend énormément de temps. Donc quand je reçois des colis comme ça, même Steph, hein, la boîte là, vous imaginez pas, parce que moi je vous la montre comme ça, c'est tout beau, tout, mais ça met énormément de temps. Et ben pour les gens qui travaillent, ou voilà, je sais que c'est juste pas possible, quoi. C'est même quand on travaille pas, faire des trucs comme ça, c'est, voilà, je sais le temps que vous mettez, hein, donc je vous remercie encore en plus. Donc là, on commence l'album. Hein, c'est, vous allez voir, c'est un truc de malade. Donc, c'est des petites lettres en bois. Et là, elle a mis des paillettes. Mais alors, les paillettes, en vrai, sont trop trop belles. C'est style licorne, comme ça. Enfin, voilà, pastel, arc-en-ciel, tout ce que vous voulez. Enfin, j'ai adoré. Quand je l'ai reçu, j'ai dit, c'est pas possible. C'est incroyable. C'est mieux que sur les vidéos américaines, quoi. Et donc, voilà, là, ça se présente comme ça. Alors là, je t'avoue que je vais pas mettre mes photos à moi, hein, je vais le laisser comme ça parce qu'il est trop trop beau. Par contre, je m'en servirai sûrement pour mettre mes images gorgeous que j'adore et que, voilà, où je trouve pas la place parce que j'ai peur de les abîmer. Et donc, il y a plein de petites pochettes comme ça. Alors attention, parce que bah, vous me connaissez, hein, vous savez comment que je suis à droite, hein, en tout et pour tout. Et c'est pas dit que je vais réussir à refermer tout, hein, donc voilà. Faut me pardonner. Donc plein de petits timbres comme ça, des découpes, gorgeous, trop magnifique. Donc ça, c'est elle qui les a fait, les découpes. Je sais pas sur quoi, parce que le papier, il est juste top. Donc voilà, tu m'avais dit un peu sur en MP, mais après on a dévié sur un autre sujet. Et voilà. Donc là, hein, ça s'ouvre comme ça, on est d'accord, il y a une pochette. Là, entre, il y a encore plein de petites pochettes où je peux encore glisser des photos. Donc là je pense que je mettrai tous mes trucs gorgeous auxquels je tiens le plus, on va dire, parce que franchement voilà, ça serait bête d'abîmer rien que le papier. Et après, donc tu as fait un système comme ça, voilà. Alors ça s'ouvre d'abord comme ça, après comme ça, et là vous avez le fond. Il est juste sublime, hein, j'ai pas de mots. Alors après, une petite languette comme ça, on l'ouvre. On déplie et on trouve une petite photo comme ça. Les personnes comme ça, il faudrait qu'elles habitent près de chez moi. Ça m'arrangerait, en fait. On pourrait faire des super tutos, vous savez. Donc c'est dommage, hein, qu'on n'habite pas toutes dans le même endroit. C'est vraiment... on est beaucoup, mais on habite vraiment tous éloignés. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Et je vous dis pas, hein, en vidéo, je sais pas si vous voyez ou pas, mais il y a zéro défaut. Alors, je vais enlever la boîte comme ça, sur le fond noir, vous verrez peut-être mieux. Mais franchement, il y a zéro défaut, il n'y a pas de... Voilà, je... Même si vous achetez en magasin, je pense que vous ne pouvez pas trouver quelque chose de ce genre. Donc, une petite carte comme ça. Et ouais, c'est... J'ai pas de mots. Une languette à nouveau comme ça. Et alors, ouais, ça glisse super bien. Il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas d'histoire que j'arrive pas à rentrer le truc ou pas. Là, alors là, elle m'a fait un petit 3D. C'est des images qu'elle a collées. Et alors ça, les rebords, c'est en carton. Hein. C'est pas de la ferraille, c'est en carton. Alors là, on repart sur des fermetures comme ça. Voilà. Et là, on tombe sur le fond. Là, elle m'a mis une petite phrase, donc voilà, en anglais, hein, donc hein, je vais pas m'aventurer, vous savez maintenant. Et là, donc voilà, donc là, c'est des petites cartes comme ça qu'elle a, voilà, oui, en 3. Et elle a tout bien ancré sur les côtés. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Et là, voilà, encore une fois, les languettes. Alors, les petites fleurs, là, c'est juste topissime.
Alors là, on repart sur du... Alors, en 4 comme ça. Et là, il y a des aimants. Donc vous voyez, ça se colle comme ça. Je vais peut-être vous le mettre plus près que vous voyez bien. Donc on déplie. Ça fait un effet 4 cases, mais en fait c'est du papier. Ça, je le connais, le papier là, parce que je l'avais. Et par contre, il s'utilise très très vite, hein, ce papier, parce qu'il est tellement beau. Voilà, la fenêtre là, donc cette fenêtre là, je l'avais pas en dies et je l'ai eue. Donc franchement, bah, c'est super parce que je la cherchais et je la trouvais pas, même sur Amazon, quand je tapais fenêtre ou quoi, voilà, j'ai jamais trouvé. Elle est trop trop bien parce qu'on peut faire des super créas avec ça. Franchement, donc là pareil, on tombe sur du fond. Là, il y a des petites pochettes, donc on peut mettre des petits tags, des petites choses dedans. Voilà, et là pareil, encore. Donc là, elle m'a mis un petit. Une petite enveloppe avec plein de découpes centauraux. Donc celles-là, elles resteront dedans pour l'instant. Ça, je m'en sers pas pour vous, je vais m'en servir pour moi. Donc désolée, je vais faire l'égoïste, oui. Non, en fait, quand c'est des cadeaux de vous, ben, je garde pour moi, ça c'est normal. Et voilà. Et là, elle m'a fait alors un style fenêtre. Donc je sais pas où tu as trouvé le papier comme ça. Elle m'a fait une découpe autour, donc zéro défaut. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est un truc de fou, hein. C'est juste sublime, quoi. Voilà. Et là, on ferme comme ça. C'est trop trop beau. J'ai pas de mots. J'ai aucun mot. Donc, merci 10 000 fois, Evelyne. Tout a été super, hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer le reste. Alors là, elle a fait une boîte en origami, il me semble que ça s'appelle, hein. Vous me direz, mais bon. Au montage, je vais pas me retrouver, hein. Je vais continuer sur origami. Donc, voilà. Là, elle m'a mis plein de découpes. Donc, comme si elle avait pas eu assez de boulot, hein, elle m'en a remis. Et elle a fait un système. Donc la boîte, en fait, c'est un système, ben, je pense, origami et pliage, hein, on va dire, pour être sûr. Et là, pareil, vous voyez, donc, et c'est du costaud, donc c'est du papier tout fin à la base, mais ça renforce le petit cartonnage, en fait, ça fait une super petite boîte. Franchement, ouais, j'ai aucun mot. Une magnifique ATC, regardez-moi ça. Donc voilà, donc là je pense que je vais garder les cartons, je vais mettre vos noms dessus et puis je les remplirai en conséquence. Pas tout de suite parce que d'abord je compte quand même répondre au méga concours, mais toi Evelyne, il me semble que tu avais participé au méga concours, donc voilà. Et un petit tag comme ça, juste sublime, plein de petites fleurs. Alors ça change des confettis de Dali, hein. Y en a qui mettent des confettis, il y en a qui mettent des fleurs, des bonbons. J'aime bien, hein, vos colis, c'est juste magnifique. Donc là, elle s'est éclatée, elle m'a mis plein de choses, dont la fenêtre. Alors je vous dis pas, je suis ravie. Vous savez, j'adore les choses faites main, hein, c'est voilà, c'est mon premier but. Pas que je râle, mais voilà, gardez votre argent. Franchement, moi je m'achète quand... Mais là, le problème, c'est que je la trouvais pas, en fait, cette découpe-là. Parce que je tapais fenêtre, je tapais découpe, gabarit, enfin j'ai tout tapé sur Amazon et je l'ai pas trouvé. Et là, quand tu me l'as mis, j'étais waouh, je me suis dit super. Ce tampon là, je le connais pas, il a l'air trop trop beau, voilà, c'est Taylor's Expression, je connais pas du tout, et franchement il est juste magnifique, ça ressemble un peu au Gorgeous comme ça, mais c'est pas 100 €. Donc elle m'a mis ça, tout ça dans une petite boîte faite comme ça, donc ça fait un peu Happy Mail, mais en boîte, enfin franchement j'avais jamais vu ça, donc encore des autres créations, hein, qui n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai pu recevoir. Hop, on va. Alors, il y a des millions de choses. Hein. Donc, du papier. Alors, ce papier-là, il me semble que c'est du toga. Il est trop, trop beau. C'est voilà. Moi, les togas, là, franchement, je les adore. Plein de petites découpes. Oh là 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 là. Le temps que t'as dû passer. Enfin, je t'imagine sur ce colis. Une petite enveloppe vellum. Donc, je les adore. Franchement, là, vous m'avez trop, trop donné envie de les faire. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Plein de petites enamel dots. Donc je pense que c'est toi qui les as faites, elles sont juste magnifiques. Alors je vais vous les sortir, je vais vous les montrer parce que ça vaut quand même son pesant d'or, pardon, d'encre j'allais dire, mais non. Voilà, c'est trop trop beau, franchement. Je sais pas si tu les as fait avec le produit nouveau, mais tu me rediras, hein. C'est voilà, c'est trop beau. Et voilà, là elle m'a mis encore de la dentelle dedans. J'espère que j'ai rien oublié parce que tu m'as mis tellement de choses. Non, là encore, alors du papier, encore du toga il me semble, tu me rediras, hein, mais il me semble que c'est du papier toga et des petites fleurs. Alors je sais pas si c'est toi qui les as faites, il me semble, hein. Ouais, et un petit carnet. Alors c'est un mini album, hein. Moi je vais appeler ça un mini album, je sais pas comment tu l'as nommé. Et là ma ronfleuse elle s'éclate, hein. Je sais pas, elle donne tout ce qu'elle peut, c'est un truc de fou, je sais pas, elle a attendu que je fasse la vidéo, je pense. Je suis sûre toute la journée elle a pas ronflé, puis là elle s'est dit, oh, elle va rentrer du travail, elle va faire une petite vidéo, voilà.
Donc pour le pliage, je te remercie pas Evelyne, hein, parce que voilà quoi, tu sais que j'ai des petits problèmes de pliage, mais voilà, donc ouais non, je vais réussir, hein. Voilà, donc il est juste magnifique et bah, tu me rediras juste le papier avec lequel tu l'as fait, c'est trop trop beau. Tu pourrais ouvrir une chaîne, mais vraiment les yeux fermés, hein, je pense. Hein. Donc on te remercierait toutes, je pense aussi. Là, elle m'a fait un petit, voilà, une petite boîte. On va appeler ça une boîte, mais bon, enfin, ça me gêne un peu parce que c'est tellement beau pour une boîte, voilà. Je lui fais pas honneur. Elle m'a mis dans chaque petite enveloppe, donc là elle m'a mis une tisane, je vais pas tirer trop fort parce que voilà. Elle m'en a remis une autre. Voilà, faut quand même que. Ouais, j'ai failli vous faire tomber. Donc voilà, plein de petites infusions dedans, c'est super gentil. Vous savez que j'aime bien les infusions. Et voilà, elle m'en a mis encore plein. Nuit calme, voilà, ça va m'aider dans mes nuits agitées. Donc je te remercie beaucoup, Evelyne. Ouais, pas de mots. Encore une autre petite valisette, hein, parce que boîte, ouais, ça me dérange vraiment de dire boîte, avec plein de petites fleurs, donc je pense que tu les as fait toi. Alors, regardez-moi ça. C'est trop, trop beau, franchement. Alors là, je sais pas, t'as utilisé quelle encre, peut-être de la Distress, je sais pas. Et le papier, je pourrais pas vous dire ce que c'est non plus, mais en tout cas, c'est super beau. Je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais c'est juste magnifique. Voilà. On arrive à la fin, hein, vous me direz. Donc du coup, ben, je ne sais pas si j'aurai trop le temps de vous présenter d'autres créas, mais pas grave, je vous reprendrai après-demain. Hein. Demain, je fais une vidéo coloriage et après-demain, on se retrouve encore pour tout le restant de la semaine, je pense, pour me rattraper de mes retards. Donc là, elle m'a mis plein de découpes. Elle sait que je fais les photocopies. Donc pour ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne, je suis une adepte des photocopies. En fait, je photocopie tout ce que vous m'envoyez. Comme ça, ben, du coup, après, je peux faire avec des découpes spéciales sur la Big Shot. Et je peux les envoyer à mes copines abonnées aussi. Comme ça, tout le monde en profite, du coup. Et là, encore un petit album avec des encres. Enfin, c'est, voilà, le papier, c'est juste terrible. C'est à paillettes, ça ressort, on dirait de l'embossage à chaud. Alors je sais pas si c'est de l'embossage à chaud ou pas. C'est juste sublime, voilà. Un gabarit pour faire des boîtes, donc ça c'est pas mal. Ça, si vous en voulez, il y en a sur Pinterest. Il y en a plein sur Pinterest, donc c'est vrai que ça évite d'acheter. Et plein de feuilles. Donc regardez-moi ça, elles sont trop trop belles. Franchement, rose en plus, comme j'adore. Par contre, je sais pas quelle marque que c'est voilà, je les connais pas. Franchement, je les connais pas ces feuilles-là, mais ouais, elles sont juste sublimes. Voilà. Franchement, bah merci beaucoup Evelyne. Donc, on va faire un dernier petit colis juste pour dire que on termine pas la vidéo sur les merveilleuses créas d'Evelyne, mais voilà, c'est. J'ai pas de mots, donc faites pas des folies comme ça les filles, hein. Franchement, une petite ATC ça me suffit largement, tant que voilà, tant que je puisse vous connaître, moi c'est tout ce que je demandais pas des colis de fou comme ça, hein. Voilà, là on a, bah, encore une fois, hein, quand je dis ne m'envoyez pas, enfin voilà, donc on a Audrey, alors Audrey elle m'a envoyé plein de jolies choses aussi. Elle m'a envoyé, alors on va commencer peut-être par ses créas, Buffy. Oh là 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 là, puis j'ai plus envie de couper là parce que après ça me retarde au niveau du montage et du coup la vidéo vous l'avez à chaque fois à je sais pas quelle heure quoi, c'est voilà. Donc là c'est un petit album comme ça qu'elle m'a fait en carré, donc Audrey elle est sympa, elle a pensé que ben, j'arriverais pas à replier, vous savez les trucs là en 4 et en 8 et en voilà, donc c'est un truc facile à déplier, c'est ça que j'aime chez mes copines. Voilà, elle pense à moi. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça en 4. Ça se ferme super bien en plus. Et il n'y a pas de système aimant. Hein. Mais vu qu'elle a mis des petites choses dedans, ça pèse un peu plus lourd. Et du coup, il n'y a pas de souci pour les fermer. Et voilà, donc le papier, ben, il est trop trop beau. Ça, c'est le papier de chez Action, hein, je le reconnais. Celui-là, je ne le connais pas par contre. Ouais, ça ne me dit rien. Mais il est sublime, ton papier. Et tu as bien choisi, ça va super bien avec. Donc là, elle m'a mis des petits strass. Ça, c'est super. Enfin, des ATC sont trop beaux. Le système comme ça, j'aime bien. Imitation parquet, ça fait imitation mur. Ça fait trop beau aussi, voilà. Bon, là, il fallait bien que j'arrive pas à remettre quelque chose, ça c'est normal. Là, elle m'a mis donc deux petites cartes, voilà. Donc après, ben, je peux mettre les photos. Donc ça, c'est cool aussi, voilà. Je le referme comme ça. Oui, je sais, vous êtes en train de rigoler, en train de se dire, ben non, elle n'arrive pas à le refermer. Mais si, si, regardez. Et là, encore une petite pochette. Donc voilà, donc il est bien rempli, hein. Il est petit mais costaud, l'album. Hein. Franchement, il est vraiment... voilà.
Non, non, c'est juste que, voilà, ça rentre pas. Voilà, donc il est juste magnifique ton album, merci beaucoup. Elle m'a fait une petite carte comme ça. Alors là, le papier, il est... c'est juste une tuerie. C'est, ouais, il est trop trop beau, je sais pas si vous le voyez, c'est un peu ancré, pailleté, arc-en-ciel, enfin tout, voilà. Donc son petit mot dedans. Elle m'a trouvé une petite pochette comme ça, alors ça j'ai jamais vu, je sais pas où tu l'as pris. Elle m'a mis plein de petites découpes autocollantes qui sont trop beaux. Ça, ça vient de chez Action et j'en ai jamais vu. Je sais qu'il y en a plein qui m'en avaient envoyé, mais ouais, je sais, moi j'en ai jamais vu. Des petites confettis, donc j'ai bien compris, vous voulez des checkers, vous en aurez, il n'y a pas de souci. Ça, il me semble que tu as acheté ça chez, chez Nose, parce que moi j'en ai trouvé plein vintage comme ça. J'en avais acheté tout un paquet, j'avais oublié de vous le montrer d'ailleurs sur une vidéo. Et après, quand j'ai vu, je me suis dit, mince, j'ai oublié de l'en montrer. J'en avais acheté au moins 50, il y en avait au moins 50 dans plusieurs paquets. Donc je pense, parce que c'est la même marque. En tout cas, ceux-là, je les ai jamais vus, ils sont trop trop beaux. Franchement, ils sont juste magnifiques. Et elle m'a mis plein de papier. Donc du papier peint, ça m'arrange vraiment parce que ben, je commence à être même en rupture. Pourtant vous m'en avez envoyé beaucoup, mais je fais toutes mes découpes dedans. Ils sont trop beaux, franchement regardez-moi ça, c'est vachement original en plus. Voilà, donc après bon, elle m'a mis le restant du papier licorne, ou même tout je crois. Voilà, tous les dice cuts et plein de tapisseries. Donc merci beaucoup, je suis ravie, en plus avec la paillette, voilà, ça c'est mes préférés on va dire, mais maintenant vous savez. Voilà, j'ai fait le tour. Donc moi je vous retrouve demain pour une vidéo coloriage, et on se retrouvera dimanche, donc pour une vidéo, non, lundi, on se retrouvera lundi pour une vidéo dans ma boîte aux lettres. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous remercie 10 000 fois, vous imaginez même pas le plaisir à chaque fois d'aller à la boîte aux lettres. Et voilà. Gros bisous. À bientôt.